êtes arrivé quand, Walid, en France? L'année dernière. Qui vous a parlé, Walid, de face de la Fondation? J'ai des candidats comme Walid et comme tous les autres que vous pourrez rencontrer. Et ils sont, voilà, on les prépare avec des entretiens, on les prépare au savoir-être au travail, on leur donne plein de conseils. Bon, ben, bien. Très bien, c'est bon courage. Hein. Bon, l'idée aujourd'hui, c'est de donner, les grandes lignes de ce qu'il faut faire ou ne pas faire lors d'un entretien avec un employeur ou avec une petite entreprise. Code de conduite, code d'habillement, questionnement des règles, hein, respecter l'or. Savoir dire bonjour, par exemple, ou alors respecter les règles en entreprise, pas de téléphone, je ne suis pas quand c'est dangereux, etc. Et puis d'autres règles comme le respect de la hiérarchie, etc. Bah, ça leur donne une pêche. Et pour un patron, quand vous avez un collaborateur qui arrive le lundi en se disant je suis fier d'appartenir à la boîte parce que j'ai aujourd'hui, mine de rien, Fred, grâce à toi, bah, tu aides des gens. Et bien ça n'a pas de prix d'avoir dans une entreprise des gens qui sont fiers d'appartenir. C'est pas simplement faire une bonne œuvre, mais ça peut être aussi dans l'intérêt de l'entreprise, parce que avoir des salariés motivés, et ben ça concourt aussi à la performance de l'entreprise. C'est gagnant pour tout le monde. Merci beaucoup de m'accueillir ici à Épinal, dans les Vosges. Je suis très heureux. Vous l'avez compris, je viens donc à votre rencontre cet après-midi en ma qualité de président national de la Fondation Agir contre l'exclusion. Donc c'est une fondation, je vous rappelle si je devais résumer, mais pas à vous, qui est là pour favoriser, faciliter, catalyser, je ne sais pas quel verbe employer, l'implication des entreprises aux côtés des pouvoirs publics, du secteur associatif, etc., pour lutter contre toutes les formes d'exclusion. Je crois que c'est ça notre objectif, partout sur le territoire, parce que c'est ainsi, la France aussi, la France des Unis, si on considère, si on traite différemment les territoires, elle est en danger. On voit bien ce qui se passe de nos jours et depuis plusieurs années. Donc, ben, il faut que face, à la modeste place qui est la mienne, désormais, apporte sa pierre à cet objectif d'intérêt national. Donc, merci encore pour votre accueil. Ce que je constate ici cet après-midi, ce que j'ai entendu, les témoignages, les actions que vous conduisez, les projets que vous portez, les ambitions qui sont les vôtres, sont absolument remarquables. Et donc, qui que vous soyez, vous êtes impliqués, certains depuis longtemps, d'autres depuis peu. Il y a évidemment le noyau dur des salariés du club, cher directeur, que je veux mettre en exergue tout particulièrement. Tous les bénévoles, Madame la Présidente, chère Sophie, chère Isabelle, vous toutes, ici présentes et présents, un message de gratitude. C'est bien le moins que je puisse faire dans la position qui est la mienne.